Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue. Bienvenue pour cette petite... Petite vidéo. Far Cry 5, c'est reparti. Ça faisait un moment que j'avais abandonné. Je me remets dessus. On va recommencer. Je sais plus trop où on en est, mais... attendez deux petites secondes. Hop. Voilà, comme ça. On va reprendre tout ça correctement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, peut-être pas là maintenant, parce que bon, bah, normal hein, aussi, hein. Mais Frère Tech va nous rejoindre. Donc, ça, c'est une très, 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 très bonne nouvelle. Alors, il faut que je sache où est-ce que j'en suis. Le troupeau est garé. Ok, donc on était sur le troupeau égaré. Pasteur Jérôme, c'était ça. Et là, ça va. Faire quelques petits gameplay quand même dessus, parce que bon, il est quand même bon, Far Cry 5, sur PC bien sûr. Sur console, j'ai pas aimé, mais sur PC, il est quand même assez sympa. Voilà. Le temps guérit toutes les blessures. J'ai encore besoin de ton aide. Les gens que tu as sauvés à l'élevage Woodson m'ont parlé d'un transfuge. Il s'est réfugié auprès de la résistance au camping de Silver Lake. Mais je n'ai pas de nouvelles depuis. Je ne sais pas quand le Seigneur me soulagera du fardeau de tous ces blessés. Eh ben écoute, on va attaquer tout ça. Va au camping de Silver Lake et assure-toi que ce garçon est sauf. Mais je vous dis, on espère. Nous devons être ouverts au pardon. Content comme tout que Frère Tech nous rejoigne. Je serai plus de ce monde si vous ne pas. On va essayer d'attaquer ça avec sévérité, dynamisme. Alors. Parce que j'étais, je faisais un peu autre chose. Là, Jolande va aller. Ok, quitter le navire. Alors, un transfuge GDNK a trouvé un refuge. Le passeur Jérôme a demandé son extraction. Ça marche. On pouvait faire ça, ça. Ok. Ouais, convoi, je m'en fous un peu. Attends, c'est qui que j'ai là? Ok, c'est Boomer. Allez. Seigneur. Ah, on va passer là. Donne-nous la force d'entreprendre. Attendez, je règle ma souris vite fait, voilà. Et hop, c'est parti. Voilà. Sur PC il est propre, hein. Sur console c'est propre, mais ça tourne pas bien. Enfin c'est propre, c'est pas celle-là, pas dans cette qualité-là. On verra ça plus tard les câbles. On fera ça avec Frère Tech justement. Il faudrait voler 2 ou 3 camions citernes d'Edenbay et les transporter à Fulvestre. Ça les ralentira et nous on prendra de l'avance. Ce qu'on va faire, c'est que... Une petite seconde. Pourquoi toujours courir ? Enculé, lui. Enfoiré. Oh, je me suis fait surprendre, les amis. Il nous faut l'officier en vue. Ah, c'était fait exprès. C'était la fameuse cinématique où là, je vais me retrouver avec Pépère. D'accord. Ouais, parce que là, je me suis fait quand même surprendre. Mais attends, les mecs, ils m'ont attaqué comme y'a pas, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non. Celui-là. Je le trouve pas vraiment digne. C'est pas à nous d'en juger. Il faut qu'on l'amène jusqu'à l'eau. La purification, mon fils. La renaissance, la résurrection. Un baptême. Alors seulement, nous pourrons voir
la lumière divine. Et franchir la porte de l'Éden. Non, pas celle-là. Celle-là n'est pas pure. T'inquiète pas, quand je vais venir te choper tes fesses à toi. Regarde-moi bien dans les yeux. Tu vas avoir mal. La purification t'amuse, John ? Ah ouais, là y'a le taulier qui arrive. Toi aussi je vais te choper après, tu vas voir. Non, je sais. Tu dois les aimer, John. Ne laisse pas ton péché t'aveugler. Amène-moi celui-là. Parce qu'après, il y a une autre scène aussi où je crois qu'ils ont capturé le shérif. Enfin, la femme shérif, il faut s'évader. Bon, on va revoir ça en détail de toute façon. En dépit de tous tes péchés, le salut reste à ta portée. Tu n'es pas là par hasard ni par chance. Tu es là par la volonté de Dieu. C'est lui qui t'offre ce don. La suite dépend entièrement de toi. Tu peux accepter ce cadeau. Ou tu peux le rejeter. Moi, je suis pour le déluge, monsieur. Hein ? Je vais demander à Papa Dieu. Hein ? Qui fasse... Celui-ci va réussir son expiation. Qui fasse un gros plein de tonnerre et de l'eau et d'inondations et tout ce qui s'ensuit hein, pour éliminer les méchants. Et moi, je vais construire ma petite arche et je vais prendre tous les jambons et les animaux. Parce que c'est ça dans l'histoire. Hein. Je vous fais un gros résumé, grosso modo. Et après, Noé a demandé à ce que. Parce que Noé a eu très peur du déluge, hein, donc il a demandé à Dieu de lui faire une promesse en créant un arc-en-ciel. Des plus bénins. Et l'arc-en-ciel devrait rappeler à Dieu. Je t'y aiderai. De sa promesse de ne plus réitérer le déluge qui a été assez violent envers la planète, quoi, le monde. Donc c'était la promesse qu'il avait faite à Noé. Il me semble bien que c'était quelque chose qui était dans ce sens-là. Hein. Bon, du coup. Voilà. Mais si on se confesse sans attendre, tout ira bien, non ? Non. Ce sera pire. Pourquoi ? Parce qu'une confession sans douleur n'a aucune valeur. Tu cries ton péché, puis tu portes à fleur de peau avant que John Seed ne te l'arrache. C'est vraiment magnifique. Putain de taré ! Ne leur fera grâce. T'éloigne pas. On n'a quand même pas fait ça pour te perdre maintenant. Il n'y a aucun problème. Et je vais te dire que là, je suis chaud patate.
désolé. Des fois, l'action me fait dire des choses pas mignonnes, hein. Ça me paraît correct. Par ici, officier. J'ai su qu'il y avait un problème quand on n'a pas réussi à te joindre. Je suis content que le Seigneur m'ait orienté dans la bonne direction. On t'a retrouvé, mais d'autres gens ont encore besoin de notre aide. La secte emmène le reste des prisonniers un peu plus loin. Ils ont Merle avec eux, le temps presse. Prends ce que tu peux et va les sauver. Je vais appeler des hommes à nous. On aura besoin d'eux si on veut réussir. Ok, ça marche. Attends, je prends une petite mission. On doit le sauver ! Dieu du ciel ! Alors, c'est parti. Faites gaffe. T'inquiète. Vous pouvez faire quelque merci. Personne. Ces salopards viennent vraiment à nous coller dans le bunker de John. Bon Dieu de merde. Merci, officier. Officier, j'ai cru que on a envoyé un hélico pour te chercher. Tiens bon ça, jusqu'à ce qu'il arrive.
déconner, là. Tu vas rencontrer ton créateur. Dépêche-toi de te lever là, putain! Oh l'erreur, j'aurais pas dû le réanimer. Je
Confiance au père. Là, je suis furieux. C'est comme ça que tu vas avoir le champ de patates, hein, mon grain. Bon, c'est vrai qu'il est beau, par contre, c'est vrai qu'il est propre, le jeu. La purification est terminée. Mission achevée avec succès, diplomatie, efficacité, organisation, coordination. Alors, pas à croire que tu t'en sois sorti. Si jamais Dennis Gage te prenait pas au sérieux, là, ça va changer. Exactement. Par contre. Alors. Ça, c'est pas des missions qui m'intéressent. Ouais, ça, par contre, on va faire. Ça, on va faire donc ici. Donc ça se peut aller vite. Ok. Alors. Convoi armé, je suppose. Fait celle de Ray Ray là, qui était le navire. Ok, tiens, hop, c'est parti. Très bientôt, ce truc dans les collines voudra plus rien dire du tout. Ouais, c'est pas à côté. Le pasteur Jérôme voulait qu'on s'assure que. Thank you.
se mettre là. Détonateur, es-tu plein? Tac 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 tac. Ça, je m'en fous. Efficace. Ça va prendre un Ray. J'ai pris tout. Nos hommes sont acculés. Il faut agir vite. Ok, il y en a un à la droite, il y en a un à la droite. On va essayer de le choper tranquille. Je sais pas si je peux lui faire la misère comme ça, discretos. On a trop donné pour t'arrêter maintenant. Ouais, Toutou, il y va, lui, hein. Ça devrait être jouable. Je vais peut-être me faire niquer. Choper par là. Hop hop hop. Oh merde. Là, c'est la maladie du gamer, ça. Clic fou. Putain, alors lui, il va me faire chier. Thank you.
que c'est que un assaut. C'est moi. Il y a rien que nos autres pêcheurs par ici. C'est ça. Si tu veux quitter Eden's Gate, on doit essayer de l'aider. Super. Ravi comme tout. Observation sur lui, ça c'est pas ça. C'est quand tu veux, hein, mais attends. Hey, salut mec. C'est ta révolution. Merde, les sergents bon. Sont derrière. Une grenade!
Sortez-moi de là. Les membres de la résistance sont en route. Amène-leur le transfuge. Ouais, bah, une minute, hein. Ça kill, ils sont super chauds là, oh! Attends, je me prends dans tous les sens là. Comment tu veux que je m'en sorte sans déconner? Pfff, oh là là, c'est tombé, je me fais massacrer. Il a pris cher, hein. Heureusement que t'étais là. Merci. Heureusement que t'étais pas là, surtout. C'est pas à côté. Bon, c'est pas grave. Vas-y, on y va. Mon nom, c'est Jess.
Jess Black. Je suis à la série. Et les jours du boucher sont comptés. C'est parti. Vas-y, ça passe. Là. Tranquillement, voilà. Y a de la country. Ah, y en a là. Ok, ça. Alors. Ah ouais, ah ouais, j'ai tout, il est déjà pas content. Putain, là, là. Ok, ça marche. Alors, attends. En défense, ici. Il faut que j'aille nickel, hein. Mais non, si. Il faut absolument que je me perche. Tant pis si je me fais niquer, mais au moins. J'ai besoin d'aide. Voilà, on s'est mis là, voilà. Ça c'est parfait. On va sauter. Putain, m'énerve cette mitraillette, à pas tirer droit.
À moi. Et voilà, ma copine. C'est Farpé. Voilà, du coup. Ouais, j'ai que ça. T'as vraiment du cœur. J'en reviens pas que ces salopards gardaient des prisonniers ici pour les endoctriner. Et merci d'avoir libéré Jess. C'est ma nièce, alors. Je vais te faire s'il te plaît. Elle a le chic pour se foutre dans les emmerdes. Tu veux bien aller la voir de ma part? Putain, toi t'es le mec le plus rapide au monde à déployer un parachute. Hein. Alors, ma petite merguez. Merci de m'avoir tiré de là. Je m'appelle Jess. Si tu te bats contre la secte, tu connais déjà sûrement mon oncle Dutch. Écoute, j'ai pas de temps à perdre. Alors je vais aller droit au but. J'étais sur la trace d'un des tarés de Jacob. Il se fait appeler le boucher. Ouais, c'est déjà un peu flippant comme ça. Mais crois-moi, il est encore pire. Je le tenais presque, mais une patrouille de cinglés m'est tombée dessus. Faut que tu m'aides. On doit pas laisser la piste refroidir. Si tu cherches à rallier les Whitetails, ça pourrait être ton ticket d'entrée. Et serait sur le gâteau, t'enverrais un gros sac à merde 6 pieds sous terre. Faut y aller. On a déjà perdu assez de temps. Suis-moi. Ok. Ah, parce qu'on y va là? Non, attends. Par là. Oh, attends. C'était pénible. Attends. Voilà, attends. Et j'ai pas grand chose là. Hein. Tu vois? C'est sa signature. Des innocents brûlés vifs. Bon, je suis vraiment content de retrouver ce petit Far Cry quand même. Que tu sois chez toi, au bar ou à l'église, t'embarques. Je l'avais fait sur Xbox One X et le fait du 30 FPS manette. En fait, Jacob crée sa propre armée. Et ceux qui peuvent pas ou veulent pas se battre, il les fait buter. Pas fait pour un gamer, quoi. Tuer les faibles. Expérimenter en FPS quand vous êtes sur un PC, vous tombez sur une manette. Il est beau, hein, sur Xbox, attention, hein. Mais ça tourne pas bien quand même. Enfin, je trouve que ça tourne pas bien. C'est pas fluide comme ça, là. J'y ai pas pris plaisir. Je suis pas difficile, mais j'y ai pas pris plaisir. Que là, voilà, là, voilà. Bon, malgré que mon arme attire à droite à gauche et que je suis une merde. Enfin, que je suis une merde, attention quand même, hein. Oh. Bon, qu'est-ce que tu décides de faire? Okay. Oh, pas mal ça. Attention, hein, il faut quand même aussi relativiser. Hein. Je suis une merde, mais à. Hop là. Pas ouais, j'ai un niveau quand même, hein. Eh, hey, 32 ans, disons la vache. Et puis il y a le game, hein. Poursuit. Le boucher, c'est un des chouchous de Jacob, celui qui mène sa pute. Un petit peu comme pas mal de le personnes, hein, mais disons que j'ai un petit level quand même, faut pas non plus éclectique en plus sur pas mal de jeux, hein. Mais les FPS quand même, je suis un peu aguerri quand même, hein. Faut pas. Mais j'aime tout, on aime tout. C'est ça la passion. La maturité surtout des personnes de mon âge qui ont grandi, qui. Avec toute cette génération de jeux qui. J'aime bien cette communauté. Adulte. Adulte, hein, je parle. Okay. J'aime bien la communauté des plus jeunes, mais on joue pas au même jeu. Et puis on n'a pas connu la même génération de jeux, c'est pour ça. Bon. Ok, c'est parti. C'est parti. Ah. C'est pas ça, c'est que si tu m'aides pas. Voilà, si tu m'aides pas. Il faut quand même m'aider. Il va crever. Oh merde. Mais ouais, mais si tu m'aides pas.
Ah, c'est la première fois que je vois ce papier peint. Faut m'aider, j'étais parti pour, on en faisait 1, 2, 3, 4, toi t'arrivais, paf, tu le prenais l'autre. Flèche de feu. Attends, tu peux pas tout faire hein, quand même. Bon alors attends, parce que du coup je vais me préparer à mettre ça. Alors pour le celui qui est costaud. Hein. Allez viens, on y retourne. Bon bah la discrétion. Merde, je vois pas cette grosse enflure. Mais par contre, il y a des gens enfermés. Ils traitent les gens comme des animaux. Ouais, c'est vrai. Il les fout même en cage. Ok, c'est parti. Je compte sur ta discrétion. Si on se fait repérer, les otages sont morts. J'aime pas trop quand tu me parles comme ça, parce que t'agis pas correctement, moi je trouve aussi. Hein. Moi je veux bien être discret, mais... Les 4 là, ils sont faciles à faire. Je peux le niquer direct. Qui est-ce qui rôde dans le coin? Phase de demi-tour. Pas avoir le choix. Hein. Je supporte pas de regarder. Ouais, forcément. J'en veux pas, je vais pas avoir le choix, ouais. Oh non, j'aime pas. Ouais, j'aime pas, mais j'ai pas avoir le choix. Ah, c'est ça qui me saoule. Ce qui va faire de l'arc. Bon, c'est vrai que l'arc il est quand même pas mal. Pas sûr de moi. Pas mal ou pas mal? Je voudrais juste que reprendre mon arme. Voilà. Quel ramassis d'enfoirés. J'ai légèrement besoin d'aide. Ouais. Quelle journée de merde. Ouais. Je peux comprendre. Ils vont tous se tuer. Pitié, aide-moi. Ils sont tous parés ici. Je veux pas sortir dans cet état. Par ici. Viens m'aider. Hé, hey, les otages. Sors-les de leur cage. Ils nous laissent peut-être pas au secours. Ils vont me buter. Bah écoute le truc. Ils tueraient pas des otages. On sortira si tu me laisses là. Je... C'est que faut pas bien se passer. Paniquer les S'il enfants. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Il y en avait 3. Ouais, elle est là. Putain, allez, lance par toi. Merci de m'avoir sauvé. Voilà. Si tu me laisses, merci. Maintenant, tu m'aides pas. Je suis foutu. Merci. Bah voilà. Le boucher. J'en ai d'autres. Il... Le boucher. Il, a emmené les... Il les a emmenés dans la montagne. La montagne cheval. Putain. Allez, je te suis. Tu sais pourquoi on l'appelle le boucher? Non. Excusez-moi, vous avez une minute? Il y a quelques années, Jacob a envoyé un de ses gars chercher une famille. Les parents et les enfants. D'abord, il les a affamés. Il leur a rien donné, même pas une goutte de flotte. Au bout de 3 jours, ils avaient tellement soif qu'ils buvaient leur pisse. Mais les gamins résistaient.
Alors les parents les ont fait boire de force. Et ils ont tout dégueulé direct. Ça a pas plu au boucher. Alors il a décidé d'attacher les parents à des poteaux en plein cagnard. Attends, j'arrive. Intervenir comme ça là. Bruce Willis, tu crois quoi là? Je vais pas. Ils sont là. Ça, ça fait boum. Oh, il y a un sniper. Putain, j'ai cru voir un faisceau. Ah, si, il y a un faisceau là-bas. Et tu vas venir. Ah, c'est par là-bas. Celui-là. Là, Jess là. Oh là là, je sais pas ce que tu me fais. Mais je te sens un petit peu perdu là, coquina. Rapidement, il restait plus d'orteils. Alors il a ri et il a foutu le feu aux parents. Oh, faut pas que tu t'inquiètes pour ça. L'air s'est rempli d'une odeur dégueulasse de chair brûlée. On va aller s'occuper de Pépère. Petit poisson. Pas de petit poisson. Quand ils ont enfin arrêté de hurler, j'ai regardé partout et il avait disparu. Il s'était évaporé comme un démon. Oui, mais c'est pour ça, faut pas que tu paniques. En bref, c'est pour ça qu'on l'appelle le boucher. Ne t'en fais pas. Le charcutier arrive. Lui découpe. Mais alors moi, je transforme le produit. Moi, je vais en faire du pâté. Pas seulement des gens qu'ils enlèvent. Il y a aussi des loups qui disparaissent. Ah, ça c'est moi ça. Et c'est ce que je te disais, c'est le pâté de campagne. On va reconnaître le terrain.
Allez, reconnaissance du terrain. Analyse. Alors. Les faibles sont impurs et ne valent rien. Ce putain de boucher. Le fiel consume leur âme. Il va les cramer. Ouais, alors je vais te dire, il va les cramer. J'en ai rien. Et ne valent rien. Qu'est-ce qu'on a? J'en ai rien. Na. Le fiel consume leur âme. Ça lui va te faire chier, toi t'es déjà mort. C'est pourquoi il les fait cuire à la flamme. Bien sûr, tiens, regardez comment ça va se passer. Brûlez à la lumière de notre père. Alors c'est très rapide hein. Sacrifiez les faibles. Purifiez leur âme. Ah, je t'ai mis tout le coup. Allez, monte ta petite tête. Et voilà, et tu vas faire boum. Fallait pas nous emmerder, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Allez, allez, oui, allez, encore plus qu'un. Hop là. Bon, pépère. Bon, bah. Voilà. Je pensais me sentir mieux. Dutch avait raison. Le boucher est mort et... Et je ressens rien. C'était pas dramatique, hein. Mon seul objectif, c'était de trouver ce type et... Maintenant... Et ben maintenant, tu vas faire comme Alexandre le Grand. Qu'est-ce que je dois faire? Tu ne seras jamais asservi par... Dutch avait raison sur plein de trucs, en fait. Et de conquérir des terrains, des territoires, des nations, des pays, donc du coup, on va continuer, hein. Jamais asservi, hein. Toi, si t'as besoin de quelqu'un pour te couvrir... Appelle-moi. Et... Merci. Pour tout ce que t'as fait. Il risque pas de remettre ça. Alors... Hop... Bon bah toi t'as pas eu de chance. Eh au fait, ma nièce c'est pas le genre à se faire des copains, mais... Si t'as besoin de quelqu'un qui fait les choses vite et discrètement, elle est parfaite. Tu la surveilles pour moi, tu veux bien? Y a pas de problème. Maintenant. D'ailleurs, regarde, on va tout de suite faire ça. Voilà, je préfère ta nièce à Boomer. Voilà, hein, je pense que toi et moi on peut faire une équipe. Hop, comme ça c'est très bien. Ouh. Ah non, c'est pas en palais, c'est pas comme ça. Faut du muscle, il paraît. Bon, ça me paraît super bien, on a fait une bonne action là, là ça a tapé sévère là. Hein. Salut, salut, c'est Wade, au Fang Center. Les cinglés ont pris tous les animaux, mais je... Salut. Hé, amigos, c'est moi, Urk. Je suis terré dans la baraque de mon vieux. Ouais, mon père et moi, on compte bien exploser les couilles à tous ces enfoirés d'Eden's Gate. Hein? Fais ce que je veux. Bon, allez. Amigos, c'est moi, Urk. Je suis terré dans... J'ai peur de rien. On n'est pas si loin que ça. On va aller aider l'autre là-bas. Là. Ça donne quoi sur la map là? Qu'est-ce qu'on a fait sur la map finalement? On a fait ce trajet là. Oh, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Okay.
très important. Aucune ébou, mon pépère. Ok. Allez. Les gens qu'ils attrapent sont moins bien traités que les vaches à l'abattoir. Et je sais de quoi je parle. Je bouge. C'est avec l'avion, c'est quoi cette mission? J'aime pas trop faire ça, mais bon. Voilà. Ça me défie, il est fait. Et ici, c'est... Je sais plus, c'était avec la tour là-bas, je sais pas. Indestructible que lui. C'est vrai que la souris, ça donne, hein. Avec cette flèche là. Oh putain, c'est pas possible. C'est trop tard pour le point de contrôle. Et pourquoi elle est là, cette flèche bleue? Ça va que ça m'apaise. Que je recommence, voyons. Il va devoir bien tirer le guidon sur ces tremplins en bois. Une arrivée splendide. Le quad pourrait se retourner à l'atterrissage. Non, il va pas se retourner. Ça a l'air tellement simple. Ouais, cette flèche bleue là qui m'a tué en erreur. Ça grave.
doit être un 50 le quad. C'est pas un Raptor, c'est pas un 250 Raptor. Ah lui il est là tranquille, je fais ma course. Bon. J'ai failli me faire avoir encore par la flèche. Quel saut exceptionnel de notre pilote! Ok. Du coup, j'ai. Il y a quelqu'un dans la région qui se prétend soldat. Il massacre nos frères et nos sœurs et met notre projet en danger. J'ai perdu ma merguez là, elle est où? Je veux que ce lâche comprenne qu'il a toute mon. Hey, amigo, ça c'est moi, Heur! Fais gaffe à toi, officier. Bon, on y va ou pas? Voilà. J'ai touché. C'est vrai que je t'ai pas prévenu. J'avoue, je t'ai pas prévenu. Putain, il est tombé où? Je peux le sauter normalement comme ça. Eh putain, ça va pas faire ça tout le temps. Hein. Ah bah voilà! Eh bien, je pouvais faire sauter tout seul. Bon, forcément, je me suis fait niquer par contre. Pourquoi t'as pas voulu exploser? Un petit peu. Oh non! Ah ouais, ah, il la ken. On va pas attendre qu'il le dépaisse. Qu'il le dépasse. T'as de la chance, j'ai pas voulu te niquer. Ouh là là. Ouais, c'est qui parle lui mais... Ça part. Allez, comme ça, je vais rejoindre lui. Et après, on est bon. Voilà.
cinématique, c'est normal. Faible. Ramolli. Nous avons oublié comment être fort. Nous avions des dieux pour héros. Aujourd'hui, ce sont des impies. Faibles. Veuls. Débiles. Nous laissons les fragiles diriger les puissants et nous sommes surpris de l'état de ce monde. Mais l'histoire connaît la valeur du sacrifice. Tuer les plus faibles pour garder la force. C'est ainsi pour tout. L'intérêt du groupe prévaut sur celui de la personne. C'est la loi de la nature. Mais nous l'oublions. Et maintenant... Qu'est-ce que nous c'est beau un loup quand même. En payer le prix. Quelle puissance, quel respect. Maintenant, quelle fidélité. L'effondrement est proche. Et cette fois, l'intérêt de certains prévaut sur le groupe. Et lorsqu'une nation n'ayant connu ni la faim ni le désespoir sombrera dans la folie, nous serons prêts. J'ai pas peur, hein. Abattre les faibles. Je vais te mettre une fessée, oui, nous tu vas voir. Ce que nous devons faire. Je vais refaire ton éducation, mon grand, moi. Eh, hein. Hey, tu me menaces pas comme ça, hein. Oh. Voilà. Je suis en train de jouer là, hein. Excellent. Je suis peut-être pas un héros, mon grand, mais tu vas voir, ça va être vite fait. Hein. Accomplis ton sacrifice. Ouais, ouais, bah. Bien. Ah bah les faibles. Ne t'arrête pas. Alors, je ne m'arrête pas. Oh. Excuse-moi. Une fois. Oh, hop, 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 hop. Ça, c'est parti. Là, là ça va chier. Là. Hop. Oh. Tuez, tuez, tuez. Oh là. Ouh. Mon Dieu, vous avez rien vu, j'espère. Parfait. Hop. Ah, bien. S'entraîner, traquer, tuer, sacrifier. Oui, sacrifier faible. Oui. Allez, on y va. Je les vois. Alors, est-ce que tu es content de ma performance, hein ? Bordel. Witty, vérifie ses fauteuils. Ils courissent dans ce merdier depuis des jours. Bah oui. Walker, ouvre les fenêtres. Oui, chef. Il faut aérer cette putain de musique. L'humidité, tout ça. Oh, merde, c'est celui. Quand est-ce qu'ils l'ont eu ? Pourquoi on s'emmerde à faire tout ça ? Vérifie quand même. Oh, pourquoi je me tape toujours les cadavres ? Putain, réfléchis pas, merde. Nettoyage, action, réaction. Hein ? Putain, merde ! Quoi ? Merde ! Ouais, je suis pas mort. Il est vivant. Walker, le camion. Oui, chef. Oh, c'est pas vrai, je suis désolé. Allez, viens m'aider, petit. T'as pas à être désolé.
Ellie, est-ce que c'est... Ouais. Mais qu'est-ce qu'il peut bien foutre ici, bordel? Il a bien plu à Jacob comme à nous. Tout ira bien maintenant, la star. On s'occupe de vous. On l'emmène avec nous au Wolf's Den? Bien sûr. Tammy risque de pas apprécier. T'en fais pas pour Tammy, elle s'en remettra. Pas d'inquiétude à avoir. Tammy a fait comme tout le monde, elle atteint. Hein? Oh, elle prépare la bouillabaisse. Non, pas la bouillabaisse, Berk. Enfin, je respecte pour la bouillabaisse, mais pas trop... Préfère une potée quand même, tu vois. Une petite choucroute, là, ou un bœuf bourguignon, tu vois. Un truc super sympa, avec une bonne tartiflette, une raclette, une quiche Lorraine. Un truc super appréciable, quoi, tu vois. Un truc qui a du goût. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Du calme. Avec Witty, on s'est mis d'accord. Vous étiez d'accord? Wow. Hey, moi, tout ce que j'ai fait, c'est donner mon avis. C'est complètement stupide. Et c'est dangereux, bordel. Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Imed? Oh, Imed. On n'a aucune idée du temps qu'il a passé là-bas. J'ai vu comment ça rend les gens. Et je ne suis pas un zombie, hein? Oh. Tu sais pas, il est peut-être dangereux. Je ne suis pas un zombie. Sur toi. Mais heureusement, j'ai pas écouté. Et je vous parle. C'est pas la peine de discuter. Il est là. J'aimerais bien qu'on m'écoute. Et on a besoin de lui. C'est compris. Je suis pas un walker. Je suis pas un virulent, hein? Oh. Je suis là pour vous aider. Bien vu, elle l'a très bien pris. Dehors. Tu sors. J'ai rien fait du tout. Tu sors. Allez, fais-moi la morale, papa. Je plaisantais pas. On a besoin de vous. Ah, de toute façon, je suis venu. J'assume entièrement mes actes. Je suis venu vous voir, c'est qu'il y a une raison. Voilà, j'ai besoin de travailler, d'un recrutement spécifique, et puis voilà quoi. Est-ce qu'il y a une boutique? Parce que là, j'aimerais bien changer ou customiser quelque chose, là. Hein. Voilà, très très bien. Salut, l'ami. Ouh, ça donne faim. Ah, vous voilà. Allez. Salut, mec. C'est pas d'ici que je vais faire quelque... Alors. Est-ce que c'est avec ça que je cogne là, hein? Ça me fait perdre un peu la même chose. Là, on est sur ça. Je sais pas si j'investis sur ce truc-là ou. Parce que, de toute façon, après. Ça coûte combien tout ça? Ça coûte. Bouh. Quand même, hein. Non, mais là, je crois que t'as pas compris ce que j'ai voulu faire en fait. Non, c'est de la dommasse. Non. Merde. Bon, alors lui, du coup. C'est le maniement. Alors déjà le maniement, on n'est pas au top. Par contre, c'est vrai que ça cogne bien avec ça, quoi. Vas-y, c'est parti. Ouais. Il n'y a pas photo. 7, 6, 8, 8, portée, précision. Ouais, pas photo quand même.
Ok. Ouais, il est beau comme ça. Très noble. Par contre, on va pas niquer de l'argent comme ça, quand même. Ok, qu'est-ce qu'on a en prestige? Bon, ok, ça marche. Il est stylé celui-là. Ok. Voilà, on va équiper de ça. Ça changera un petit peu. Oui, bien sûr. Voilà, on va se mettre plus en mode, mode guerrier quand même. Une sale tronche. Je vous évite pas, mais Ellie voudrait vous parler. Content de vous voir, Dago. Oh, attends. C'est... D'accord. Bon. Voilà. Bon. Et bah, avant de faire cette petite mission, je vais m'arrêter là, les amis. Hein ? Ça fait longtemps qu'on vous cherche. Dutch dit le plus grand bien de vous. Bon. Je vais vous parler franchement. Allez. J'ai reconnaître un bon soldat. Je déclenche la mission, mais je la fais pas. Ici, d'accord suicide. Hein. Juste, on va voir à quoi s'attendre. Plus d'une semaine à ce rythme. On se retrouve vraiment au pied du mur. Je fais en sorte qu'on se reprenne. Alors j'ai envoyé un groupe de Whitetail saboter le centre touristique. La secte l'utilise comme dépôt pour sa putain de grâce. Mais les pauvres gars ont foncé droit dans un piège. Ils se sont fait prendre en otage. Et le temps joue contre nous. Si j'envoie un autre groupe là-bas, on risque de tout perdre. Mais vous? La secte s'attend pas à vous voir débouler. Vous êtes la seule personne ici qui soit capable de gérer cette situation. J'ai confiance en vous sur ce coup. Je compte sur vous. Faisons. Vous allez devoir être une ombre. Si la secte découvre que vous êtes là, elle serait capable de tuer nos gars. Il y a un arc sur la table si ça vous tente. Essayez de ramener nos camarades. Bonne chance. Non, ça ne me tente pas. Non. C'est pas moi que tu dois exploser, c'est les cinglés. Je pensais qu'ils seraient plus résistants. Terminé. Et qu'est-ce qu'elle va me dire ? Vous avez peut-être paru un peu trop dur. Je m'excuse pas. Je reconnais mes erreurs. C'est juste que je fais pas confiance aux inconnus. Mais d'après Ellie, vous êtes réglo. Alors je vais me contenter de ça pour le moment. Faites vos preuves. Et vous et moi, on apprendra à s'entendre. Voilà le topo. Witty essaie de monter une station radio pirate. Il a dit à Ellie que c'était pour aider à coordonner la milice. Mais je pense plutôt que c'est pour diffuser sa musique. Donc on va lui filer un coup de main. Le problème, c'est qu'il a pas de signal. D'après notre expert, la secte brouille les ondes dans toute la zone. Et on sait comment. Apparemment, des brouilleurs ont été placés sur 2 tours radio. Et un troisième sur une unité mobile qui patrouille sur les routes. Commencez par les tours. Ça devrait libérer le signal pour que je localise la patrouille. Je vous préviendrai quand ce sera fait. Faites ça,
et peut-être que je vous ferai davantage confiance. Y a pas de problème, de toute façon, moi je prends tout. Faut se méfier des embuscades la nuit. Sois gentil. Donc, ça va commencer à être un merdier de mission, tout ça. Parce qu'il y a la prison, et il y a donc ça maintenant, silence radio. Et ça. Ouais, ok, c'est la forêt discrète, il y a ça, ça. Bon, il n'y a pas tant que ça de mission. Oh là, j'atterris ici, eh. D'accord. Bon, finalement, attends, finalement, on a quand même décoincé pas mal de petites choses. Toi, j'arrive, t'inquiète pas, on a fait la moitié du chemin. Toi, on a fait un tiers. Toi, on a rien fait, mais t'inquiète pas. T'en fais pas, ma petite. Hey, c'est Sharky. T'inquiète pas. Mais ouais. Ok, ça marche. Donc, voilà, c'est ici. Ici et là. Silence radio. Ok, ça marche. Bon, bah voilà, les amis. Bon, bah je vous laisse. Et puis, on se revoit un petit peu plus tard, hein, pour faire une petite vidéo sympathique. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.